Je m'appelle Vincent, je suis ingénieur d'études chez CS depuis juillet 2015. Chez CS, mon métier consiste à réaliser des simulations de phénomènes physiques dans le nucléaire. Je travaille exclusivement sur des projets français. Par exemple, j'ai travaillé pour l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour lequel j'ai réalisé des calculs de simulation numérique, d'évaluation de rejets radioactifs lors d'accidents graves de centrales nucléaires. La plupart du temps, je vais réaliser des missions chez les clients. Au sein d'un projet, il va y avoir trois phases. Une première phase va correspondre à comprendre la problématique du client, à l'analyse et à la mise en place du jeu de données et de toutes les hypothèses permettant de décrire l'installation nucléaire lors d'un accident. La deuxième phase va correspondre au lancement du calcul et à la récupération de l'ensemble des résultats dans des fichiers. Dans le cadre de la troisième phase, je m'occupe d'analyser l'ensemble des résultats et des données obtenues lors du calcul, de créer les courbes et par la suite d'intégrer l'ensemble de ces courbes au sein d'un rapport que je vais finalement remettre au client. Ce qui me plaît vraiment dans ce métier, ça va être l'aspect multiphysique. Je vais aborder tout un tas de phénomènes physiques différents, que ce soit de la chimie, je vais faire un petit peu d'informatique, de l'accidentologie. C'est vraiment très complet d'un point de vue intellectuel. Un aspect aussi qui me plaît énormément dans ce métier, ça va être le fait de côtoyer des gens d'un métier différent au mien. J'ai pu travailler avec une personne du service juridique, avec des experts de tous bords, donc c'est aussi un aspect humain très intéressant. Le fait que CS travaille avec les grands acteurs du nucléaire, ça permet de pouvoir travailler sur différents sujets dans différentes entreprises et avoir une réelle richesse technologique.